Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, alors je suis content de vous retrouver. Il y en a plein qui m'ont motivé hein, à travers des messages et tout, je vous remercie. Et puis d'autres qui ressortent des vidéos assez régulièrement, donc je me suis dit, il faut que je revienne. Alors je vous parle aujourd'hui des mini couteaux EDC, pourquoi? Parce que c'est vraiment un système que j'utilise au quotidien et c'est le couteau que j'utilise le plus. 90% de mes coupes à la journée, c'est avec ça, je l'utilise entre 5 et 10 fois par jour. Je le porte à la ceinture, donc ça me permet, ça a trois avantages. Le premier, c'est que j'ai un accès immédiat au couteau, je fais mon ouverture de packaging, ouverture de colis, couper une corde, ouvrir un trombone, enfin pas un trombone, une agrafe, enfin toutes ces choses qu'on fait au quotidien, ben, on peut le faire largement avec ça, avec une lame qui fait entre 4 et 6 cm. Autre avantage, c'est que c'est un port qui est discret finalement, puisque je vais avoir toujours un t-shirt sur moi, une chemise, un polo, une veste un peu moins souvent. Mais en tout cas, ça reste discret et je peux l'enlever aussi rapidement et le glisser dans ma poche si je veux qu'il soit complètement invisible. Et troisième avantage, c'est que ça me sert de kit main libre. C'est-à-dire quand je suis dans une boutique et qu'on me file des sachets, bah, je peux les accrocher là, le temps de fouiller, etc. Et j'appelle ça le kit main libre. Donc ça fait plusieurs années que je dispose de petits couteaux. J'en ai testé évidemment plein et je vous en ai retenu 5 et vous allez voir les différences entre ces différents modèles, pourquoi j'ai choisi tel ou tel modèle, quels étaient les détails qui me gênaient sur certains, des systèmes d'ouverture différents, etc. Donc on va voir tout ça ensemble et on va commencer tout de suite avec le numéro 5. Bocar Plus Shad Los Banos Subcom. Alors il existe évidemment dans plusieurs versions, hein, que ce soit des coloris différents, que ce soit en lame sans et seal coating. Vous voyez qu'il a, il a pas mal été utilisé quand même celui-ci. Ici avec une partie avec des serrations et là une partie lisse. Il existe évidemment en lame lisse que j'aurais même, je pense, préféré. Alors un couteau que j'ai eu pendant pas mal de temps. Ici le clip qu'on va pouvoir positionner à deux endroits différents, donc ça permet dans ce sens de le sortir et de l'utiliser immédiatement. Au niveau de la prise en main, bon, au départ c'est un couteau je crois qui est prévu pour la défense, hein, donc on sent vraiment que c'est un petit peu pour ça, hein, c'est un peu le délire des Américains. Du coup en usage quotidien, je trouve que la prise en main elle n'est pas excellente parce que ça c'est extrêmement large. Donc finalement on n'a pas 25 000 positions pour le tenir et je trouve que je suis un peu réduit avec cette grande courbure ici pour utiliser la partie lisse ici. Donc c'est un des trucs qui m'embêtait un petit peu sur ce couteau. Autre chose, alors là on y arrive très facilement à l'ouvrir, vraiment facilement. Le framelock il s'enclenche vraiment bien, donc on sait une fois qu'il est ouvert qu'il est complètement calé. Après ça, ce qui m'embêtait, c'est que quand je coupais du carton, bah, j'avais souvent le carton qui venait se caler là derrière, donc j'étais un petit peu coincé avec ça. Donc c'est un peu ça qui me dérangeait. Après il est extrêmement plat, donc ça c'est assez sympa au niveau du port parce qu'on est sur quelque chose qui est rectangulaire, arrondi, donc on s'accroche pas avec. Donc ça c'est plutôt sympathique et de pouvoir aussi le jeter simplement dans une poche. Il y en a qui l'utilise comme pince à billets, donc intéressant évidemment, peut-être plus dans sa version lisse je pense. Maintenant il a un look que je trouve assez sympathique, mais encore une fois cette prise en main moi ne me convenait pas complètement et cette grande courbure là peut être intéressante effectivement encore une fois si c'est uniquement lisse, parce que là bah, j'étais quand même un peu limité avec cette courbure là et la pointe qui a un angle quand même qui est assez important, donc pour des travaux un peu minutieux je trouvais que la pointe n'était pas forcément hyper adaptée à tous mes besoins. Et là le framelock il faut vraiment aller chercher, hein, je vous le dis, hein, ça c'est un détail qui est assez pénible. La US8 moi ça me dérange pas parce qu'il s'affûte très facilement et ça tient suffisamment en tout cas, parce que encore une fois c'est des coupes qui sont rapides, qui sont simples et on va mettre pas mal de temps à l'user. Après il a un sacré look, hein, moi j'aime bien son look, hein, quand même. Mais encore une fois je vous dis voilà, là on est bien. Là on est moins bien et on est quand même assez limité dans son usage. Le numéro 4. Voilà.
Mini Stuff Light de chez Cool Steel. Donc ça, c'est un couteau qui m'a été offert par Anthony, que je remercie encore à travers cette vidéo. C'est un couteau que j'ai toujours adoré parce qu'il a vraiment, je trouve qu'il a vraiment un super look, il a vraiment ses courbures, il a une espèce de d'harmonie que je trouve fantastique, une prise en main qui est terrible parce que malgré la taille du couteau, on arrive quand même à mettre toute la main sur le couteau, donc on l'a vraiment extrêmement bien en main. Ici, système à pompe. Moi, j'aime bien le système à pompe parce que pour moi, c'est vraiment sécurisant que ce soit fermé ou ouvert. Là, le trou qui me permet d'ouvrir facilement le couteau. Ici, on a du G10 qui est légèrement texturé avec, je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais un petit renfoncement avec une petite texture. Je ne sais pas si ça va se voir la texture vraiment ici, qui est intéressante. Et voilà, tout dans l'arrondi, un clip, une seule position. Là où c'est délicat, ça va être évidemment ici le framelock, parce que pour le fermer à une main, faut appuyer comme un dingue pour pouvoir le fermer. Ah, il existe en version un peu plus grande d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur le Stuff Light, sur le Tough Light, sur la chaîne, une chaîne que j'aime bien d'ailleurs, c'est le goût des lames. Donc si vous aimez les couteaux et les slips kangourou, allez voir cette chaîne, elle est vraiment intéressante. Et donc ça, très très bien, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Maintenant, limité, parce que je suis vraiment sur une zone ici qui est que plate. Hein, je crois que j'ai 4 cm de lame, donc c'est assez léger. Cette pointe qui retombe vers le bas, bon, voilà, c'est un couteau qui n'était pas finalement hyper polyvalent, en tout cas pour mon usage. Et encore une fois, là, la pointe me manquait un petit peu. Elle y est forcément, mais elle est un petit peu basse. Maintenant, je vous le dis encore une fois, une prise en main qui est vraiment intéressante quand même. Et toujours cette solidité, hein, chez Cool Steel, hein, on est vraiment sur quelque chose. Voilà, on sait qu'une fois qu'on l'a ouvert, il va vous tenir dans les pattes, il va pas se refermer sur vos mains. Et un tranchant redoutable. Alors je sais plus ce que c'est l'acier, hein, faudra que j'aille voir, faudra que je vous le mette. Mais en tout cas, voilà, une très très bonne rétention. Je crois que je ne l'ai même pas réaffûté, et pourtant je l'ai bien utilisé. Ce côté, bon là en plus dans ce coloris là, ce côté bonbon me plaît bien. Et on va avoir un clip qui est extrêmement puissant aussi, ça c'est important évidemment si on veut le porter à la ceinture. Une seule position possible, hein, donc il faut que je sorte le couteau, il faut que je le retourne et ensuite il faut que je l'ouvre. Une petite lame intéressante si vous aimez son look. On repart encore sur du orange, un petit couteau que je vous ai présenté déjà. Donc là, la marque c'est Y Star. Donc c'était un couteau que j'avais eu de la part du site Gearbest. Vous pourrez aller voir parce que celui-là, je l'ai retrouvé sous la marque Black Fox. On nous dit que c'est un design de Serge Pachenko, donc je crois que c'est exactement le même à vérifier, à qui on doit le lancer de chez Boker. Donc c'est un peu dans le même esprit. Là encore, on est sur du framelock avec des visseries un peu sympathiques. Alors là, pour le coup, très facile à utiliser. Donc deux possibilités, soit je vais utiliser ici ce petit trou pour l'ouvrir, soit je vais l'utiliser ici en mode flipper. Alors ça, c'est assez intéressant. Maintenant, ça reste extrêmement petit, extrêmement fin. Hein, si je vous montre la différence avec celui-ci, on est quand même sur un couteau, bien qu'encore une fois, je vous l'ai comparé tout à l'heure, hein, la lame est beaucoup plus grande. On est sur quelque chose qui est assez réduit au niveau de la manipulation. C'est pas si facile que ça. Le clip dans cette position là, donc moi ça me va très bien parce que je ressors le couteau et je l'utilise immédiatement. Pas mal de lames avec une grande courbure, avec du coup une pointe vraiment acérée. Et là c'est vraiment intéressant pour des petits travaux, que ce soit très minutieux, si vous prenez une écharde, un truc comme ça, vous voulez vous curer les ongles avec ça, c'est complètement possible. L'acier, je ne sais plus, il faudra regarder ma revue. En tout cas, très très bonne rétention de l'acier. Maintenant je vous dis, c'est vraiment extrêmement petit à manipuler. Alors il existe évidemment dans plusieurs coloris, hein, au niveau du G10. Hein, légèrement texturé, et la prise en main, ben, on va dire qu'elle est ce qu'elle est, parce que voilà, ça reste extrêmement petit, mais une belle lame, là vraiment une belle lame qui va me permettre de faire pas mal de choses. Donc celui-là, j'ai vraiment apprécié, mais vraiment très 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 petit à manipuler. Thank you.
Le numéro 2, encore un couteau qui me vient de chez Anthony. C'était un échange et c'est vraiment un couteau que j'adore. Alors c'est un couteau que j'aurais absolument pas acheté pour plusieurs raisons. C'était d'abord un prix qui était assez important à l'époque, hein. Je crois qu'il coûtait une cinquantaine d'euros. Donc on voit la marque là, Oak Point Black Oak. Et ben j'aimais pas son look, c'est-à-dire que vraiment ici cette grande ouverture qui est donc un décapsuleur, ça me plaisait pas plus que ça. Et en fait à l'utilisation c'est génial parce qu'évidemment ça va vous permettre d'utiliser ça pour ouvrir une petite bière à boire avec modération, un coca, n'importe quoi. Donc vraiment un couteau génial, hein, qui aurait pu être numéro 1, que j'utilise vraiment vraiment hyper fréquemment. Un très très bon clip. Hyper puissant ici, donc une seule position par contre, hein, donc il va être là, je vais être obligé de le manipuler, de le changer de sens. Une ouverture hop, explosive, très très grande courbure, là aussi on est sur de la US8. Je ne l'ai pas retrouvé en catalogue celui-ci, donc si jamais vous le voyez, sautez dessus. Évidemment, je vous le dis, c'est vraiment faites abstraction de cette partie-là, mais vous allez voir quand vous allez l'avoir dans les mains et l'utiliser, il est vraiment vraiment pratique. Là, ça se débloque très facilement, ça s'ouvre très facilement. Il est juste absolument génial. Le petit G10 avec des petites rainures de partout. Je l'ai souvent démonté. Pour le nettoyer justement. Le coating il tient très très bien et pourtant j'y vais franco. Maintenant on est sur une lame qui est assez épaisse dû au fait qu'il y ait évidemment cette résistance mécanique du décapsuleur. Et du coup la pointe elle est quand même assez épaisse, donc pour des travaux un peu minutieux c'est un petit peu juste. L'acier s'affûte encore une fois très facilement, ça tient extrêmement bien au niveau du tranchant et très bonne prise en main. Oui, j'ai quand même de la place. Ici, ça c'est vraiment en retrait. Donc ça permet aussi de couper facilement. On ressent un peu l'épaisseur. Hein. Parfois quand je coupe du carton ou des choses comme ça, je ressens un petit peu l'épaisseur. Mais sinon, voilà, taille un crayon, tout. C'est vraiment une lame qui est hyper polyvalente. Hein, ce type de lame, hein, une partie plate, une partie qui remonte ici avec pas trop de courbure. C'est, je vous dis, c'est un couteau que j'adore. Donc vraiment un must have comme on dirait. Et enfin mon top du top, le Bird Robin 2. Alors pourquoi je l'adore celui-ci? J'adore son look d'abord. Système à pompe, très bonne prise en main. Mais vraiment toutes les possibilités, je le trouve fabuleux. Alors je l'ai eu dans toutes ces versions, c'est pour ça que je vais mettre un peu plus de temps pour celui-ci. Ça c'est la version G10 qu'on m'a cassé. Alors regardez, la lame est complètement tordue. Je l'ai une fois prêté, quelqu'un a fait levier avec et l'a pété juste là, à ce niveau-là. Évidemment parce qu'on est sur une émouture qui est complètement plate, donc c'est extrêmement fin ici. Version G10, donc quand celui-ci a été cassé, j'ai eu cette version là, c'est ma version vraiment favorite avec du FNR. Alors pourquoi je préfère? Parce que ça vieillit mieux, je trouve. Là on a souvent ça a tendance à blanchir un petit peu, là pas du tout, et j'ai une meilleure sensation. Alors moi j'ai placé le clip de ce côté là, encore une fois pour pouvoir sortir le couteau facilement et l'ouvrir rapidement. Émouture plate, très très bon tranchant, super pointe, extrêmement extrêmement fine, cette prise en main que j'adore. Moi le système à pompe, je vous l'ai dit, j'adore aussi. Le fait qu'il y ait aussi ce trou, je n'en avais pas parlé sur les autres, mais parfois, alors notamment celui-ci, parfois s'accroche à la ceinture au niveau de ce côté-là, et il a tendance un petit peu à s'ouvrir, il risque de s'ouvrir quand je le porte. Donc ça, c'est pour ça que j'avais préférer une version complètement plate. Et pareil quand je fais des coupes, ben j'ai aucune y a rien qui va s'accrocher. Donc cette version là avec la petite entretoise qui est un peu plus travaillée, ici pas du tout, mais je préfère largement cette version. Et quand je l'ai perdu celui-là, parce que je l'ai perdu, c'en est un nouveau, j'ai pris cette version là all black
que je trouvais joli. Je me suis dit, waouh, ouais, ça change, c'est génial, complètement noir et tout ça avec le coating. Allez, ça change. Je ne l'ai pas manipulé dans le magasin, grosse erreur. Parce qu'arrivé à la case, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il était beaucoup, beaucoup plus lourd que celui-ci. Alors, je ne sais plus, il y a peut-être 20 ou même 30 grammes de différence avec celui-là. Et je trouvais ça énorme. Et le côté acier glissant ne me plaisait pas. Donc, celui-là, je ne l'ai absolument pas utilisé. Même là, je le ressens, c'est un poids incroyable. Maintenant, si c'est votre premier couteau et que vous flashez sur celui-là, il n'y a pas de souci, hein, ça reste complètement transportable. Maintenant, effectivement, le blowback à l'arrière, ça demande une petite manipulation. Mais bon, généralement, voilà, on peut utiliser les deux mains. C'est vraiment quand je suis au bout d'une échelle que je m'amuse à faire ça si j'ai besoin. Ça reste complètement faisable. Clip, vous voyez, 4 positions. Et vraiment, mais je l'adore ce couteau, c'est vraiment mon couteau favori. On a un peu de grip, alors la grosse différence aussi ici, c'est que là je vais avoir du grip là, alors que là j'en ai pas. Je vous montre les trois versions ici, tac, voilà, je vais avoir un peu de grip en plus ici. Et puis cette texture là qui me va très très bien, qui a quand même, on a une accroche qui est plus importante que sur le G10 forcément, puisqu'on va avoir les pores de la peau qui vont rentrer là-dedans. Et je le trouve juste excellentissime. Ce couteau, c'est vraiment mon numéro 1. Je refais aussi un petit comparatif au niveau des tailles. Vous voyez que celui-là est vraiment extrêmement petit. C'est vraiment des looks différents. On est sur. Là, on est plus sur le côté. Côté tactique, hein. C'est agréable comme ouverture quand même ça. Maintenant voilà, moins sécurisant aussi ça, hein. Alors que sur les autres, oh, j'ai un peu raté celui-là. Là j'ai quand même l'index qui vient se placer ici. Voilà, j'attends vos commentaires pour savoir si vous aussi vous êtes fan de petits couteaux et quels sont vos mini couteaux préférés. Hop. Ah oui, ça se fait avec une main. C'est moins facile avec celui-là. Allez, je vous dis à très très bientôt. C'était Christopher Jones. Bye bye.